An enthralling, exhausting contest comes to an end here in San Pedro with a 1-1 draw between Morocco and the DRC. The point very much keeps the Leopards alive. It means that Morocco will have to get something in their last game against Tanzania on Wednesday. Mpemba has a go at Regragui, feeling that there should have been a penalty given. In any case, we think it was outside the box anyway. A bit of a sorry end to the game, as they muscle in unnecessarily. But basically, at the end of the day, it was a hard-fought contest and a draw was a fair result. Yeah, a fair result. I thought Morocco started off well, an energy-sapping match. But we spoke about having plan A, plan B, and that's what DR Congo came with, plan A, plan B and C. That's how they dominated the second half. Not the way we wanted to see this game ending, but it was quite a spectacle. I think it's up level now. It ends here at the Laurent Pokou Stadium. Morocco 1, DRC 1. Achraf Hakimi on 6 minutes. D'abord, une extrême fierté devant la production de la RDC aujourd'hui face à un gros d'Afrique, le Maroc. Bien sûr. C'est vrai que ce genre de match, sous cette chaleur franchement insupportable, ça se joue à des détails. Voilà, on a manqué de lucidité dès les premières minutes. Voilà, il y a eu un break de quasiment 4 minutes parce que l'arbitre avait un problème d'oreillette. On prend un but sur coup de pied arrêté. Ça vous a déconcentré un peu ? Bien sûr, parce que voilà. Il commence bien d'entrer avec cette occasion de la tête. Le gardien fait un bel arrêt et après voilà, il y a 4 minutes d'intervalle. On sait que face à ces équipes-là, ça se joue des détails. On a pris ce but, mais voilà, je pense qu'on a bien réagi. Vous avez très bien réagi, surtout vous avez pris le dessus assez vite dans le match, à partir de peut-être la 25e minute. Physiquement, vous étiez au-dessus, vous deviez sentir qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et notamment dans la profondeur. Bien sûr, il y avait quelque chose à faire. Voilà, on est conscient de nos qualités. On sait qui on est, voilà, on reste quand même humble, mais voilà, on est. On sait qu'on peut aller faire, on sait que face à ces grosses nations, voilà, faut être à 150%. C'est vrai que voilà, comme je l'ai dit une fois avec cette chaleur, franchement c'était difficile, mais voilà, je pense qu'on a su remobiliser les troupes à la mi-temps et voilà, égaliser et peut-être voilà, avoir ce but vainqueur, mais bon, voilà, on se contente du match. Une équipe est née en RDC là, avec ce résultat-là qui parachève un peu cette reconstruction. Une équipe, on l'a déjà depuis assez longtemps, mais une âme, je dirais, une âme est née aujourd'hui. Une âme de la RDC, du Congo, parce que voilà, on reçoit beaucoup de beaux messages, beaucoup de support des gens, et voilà, nous-mêmes, on est conscients que sans eux, on peut rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout donné pour nos familles et pour nos fans. Un petit mot sur la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces bagarres? Bagarre parce que vous êtes face à deux grosses nations qui veulent gagner des matchs. Donc face à cette frustration et le soleil qui tape dans la tête, voilà, on perd un peu de lucidité, mais voilà, c'est bon enfant et voilà, on sait que les deux équipes voulaient gagner, ce soit avec un match nul, ça finit par bagarre, mais bon, rien de grave. Et en tout cas, félicitations aux Marocains. Voilà, nous on est là encore. J'ai pas besoin de parler trop, mais le plus important, justice de Dieu. Il y en a. Moi, je suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte le coach. Il est grand messie. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos. Moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non. Mais nous, on veut savoir justement. On sait très bien, on connaît le joueur. On connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, le plus important, ouais. Je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez moi. Les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous tout a le salué, monde. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, oui. Il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais j'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas que ce mot-là, ça va sortir dans le coach. Dans sa bouche. Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. J'ai rien à dire. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Non, mais, allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir quand même. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, je croyais que vous aviez. Il n'y a pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo. Sur ça, il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension, elle a été un peu élevée chez tout le monde.
Mais ce n'est pas un exemple et il n'y a pas de souci entre Bemba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. Là, je...